sur radioénergie.com. C'est Kid qui vous parle de Woodstock en Beauce. Deuxième journée de festival avec du beau temps quand même. On est content. Une grosse journée aujourd'hui, vendredi. Une grosse soirée surtout. On déclare officiellement la fin du monde ce soir à Woodstock en Beauce. Hommage à Metallica, 18h30. Voivod, Pennywise, Offspring, Mononcle Serge pour terminer tout ça. Il y aura les nuits électro. Si tout va bien, on aura une entrevue à vous présenter avec The Offspring. Et puis, il y a des images du concert, évidemment. Et à l'instant, on s'en va se promener. C'est toujours un classique à Woodstock. Aller faire un tour, voir les gens dans le camping, des dizaines de milliers de personnes qui campent ici. Alors, on va aller faire un petit tour de ce site de Woodstock en Beauce. Vous écoutez ça sur la radio Énergie, radioénergie.com. Bienvenue à Woodstock en Beauce, édition 2009. La boîte est là. On sent que c'est mou. On sent que c'est bien meuble, hein, comme on dit. Oh, nu-pied! Solide! Ouais, ça fait un petit massage. C'est un peu dégueu, mais on fait... Tu te sens-tu passer entre tes orteils, là? Oui, oui, c'est glissant. Ouais, je veux savoir, qu'est-ce qui t'amène à Woodstock cette année? Ben, surtout Voivod, Pennywise, Offspring, la bière. Ben, les shows, le... Oui, l'ambiance, ouais. L'ambiance aussi. Là. Une nouveauté cette année à Woodstock en Beauce, c'est la fameuse grange qu'on a rénovée. Hein, ça a l'air neuf à l'intérieur. Exposition sur les 15 ans de Woodstock en Beauce. Ça fait 15 ans cette année avec des photos des groupes marquants qui ont passé ici à Woodstock et également un spectacle multimédia et lumière. C'est tout nouveau de cette année. Ben moi, ça fait déjà 5 ans que je viens, fait que c'est comme une petite routine. Puis j'attends ça, quand ça finit, j'ai hâte d'en venir. Bon Woodstock! Ben merci! À chaque année, ben c'est le bonheur. Le bonheur. Tu trouves pas que ça sent le bonheur ici? Oh, oui, tout à fait. Es-tu heureux? Oh, oui. Es-tu heureux? Écoute... Avec le soleil, là. Hé! En fait. Yézine, mon ami! Tu veux-tu savoir qu'est-ce qui t'amène à Woodstock? La fête. Qu'est-ce qui t'amène ici avec un de tes chums? Ah, j'arrive de la Sparte, puis là, j'ai entendu qu'ils faisaient le party ici, puis finalement, ben, on a gagné la guerre. Y'a-tu un band en particulier que tu vas voir, par exemple, dans le show, ben, tu restes ici avec... Appelons-le Bob. Ouais, moi j'irai voir Offspring à soir. Cool! Vraiment, on est là pour ça à soir. Pennywise aussi, puis Voivod. Puis les shows, c'est quoi qui va vous tenter le plus? C'est vrai, il y a des shows! Bon, les shows, puis rencontrer du monde, puis s'assouler, puis ce soir. Bon, c'est un peu social, là. T'as plein d'amis à Woodstock, là. C'est ça, tu rencontres du monde, t'as du fun. Veux-tu qu'il y a cette boîte, c'est-tu correct? Je pense qu'ils en ont mis un peu plus cette année. Je pense qu'ils ont bien fait ça quand même. C'est sûr qu'on travaille dans un coin. C'est pour voir les gens. C'est jovial. C'est... Regardez ça. Come on down the arch, yeah! Ouais. Énergie! Ça passe pas à radio, ça.